J'ai trouvé ce vieux livre. Il était couvert d'un langage démoniaque. Et le texte, j'ai pas eu le temps de lire. Peut-être c'était une mauvaise idée de commencer à le lire. J'ai senti comme une présence démoniaque. Je devrais juste vérifier que Linda va bien, ma nouvelle secrétaire. J'espère qu'elle va bien. The Book. Est-ce que c'est Harry Potter? Right mouse to zoom. F for flashlight, when you have it. Was to move, E to interact, shift to run. J'aime bien quand ils font ça. C'est pratique comme ça. Je vais aller voir Linda. Ouf, ça rame un petit peu. Souvenez-vous que la clé est derrière la machine à... Bah pourquoi la clé serait derrière la machine? Pourquoi mon bureau ressemble à un dépotoir? Trop de questions. Trop de questions existentielles. Ça, c'est une clé. Vous n'avez pas besoin de la clé maintenant. Arrêtez de dire que j'ai pas besoin des clés maintenant. Des fois, j'en ai besoin. Faut pas le dire comme ça. On va allumer les lumières. Interact. Oui, interact. La vending machine, c'est ici. Celui-là aussi est plutôt joli, en vrai, c'est cool. Alors, il m'indique derrière la vending machine. Mais comment je fais pour aller derrière la vending machine? Je sais pas. Peut-être que la vending machine, elle va bouger après, on n'en sait rien. Attends. Find the storage key. Bon, c'est bon, je sais déjà où elle est. Elle était littéralement au début. Linda! Linda! Trisha, où êtes-vous? Linda? Linda? Est-ce que ce serait ce moment de l'année? Linda? Si vous allez bien, pleurez une fois! Bah, je pense qu'elle va bien, elle a pleuré, donc ça va. Je suis parti aux toilettes, je serai de retour. Ouais, Linda, oui, mais... Bon, bah, faut que j'aille vérifier, mais bon, Linda, quand même, là! Quand même, l'a dit, Linda! Linda? Pourquoi vous restez dans le noir comme ça? Faut allumer la lumière, Linda! Faut pas rester... Hé, hey, Linda! Quand le pape est venu à la réunion, il a dit... Sorte dans le fait noir! Et il avait raison! Linda? Je vais ouvrir la porte. Linda, c'est vous là-dedans? Vous allez bien? Linda? Linda? Linda, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais, ok? Mais Linda, il faut qu'on parle. Linda? Linda? Linda! Linda, je suis petit, j'arrive pas à voir, mais Linda, ça va? Non, elle arrive pas à voir. Elle a une migraine. Linda! Oh mon dieu! Bon, attendez, peut-être trouver un moyen pour que Linda me parle. Ça fait rire, Linda? Non, mais Linda n'est pas là, en fait. Oh mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Aide-moi dans le sous-sol. Et c'est écrit des choses à l'envers. Voice in my head. Des voix dans ma tête. Est-ce que je peux prendre le pied de biche? Et je peux prendre le chapelet ou pas? Apparemment non. Et c'est écrit Aurore. Ok. Avec des dessins et tout sur les murs. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Why not, hein, n'est-ce pas? Linda, on va aller... Enfin, le mec, il ouvre... C'est son bureau, mais il ouvre quand même avec, avec force et véhémence. Hein. Alors... Oh, ici c'est écrit Max Aurore. C'est pas un youtubeur. J'ai pas déjà fait un jeu de ce gars-là, moi. Je crois que j'ai déjà fait un jeu de Max Aurore. J'ai déjà vu son nom quelque part. On ouvre la porte. Ah, ça s'ouvre, mais pas vraiment en même temps. Donc du coup, le pied de biche, apparemment, j'en ai plus besoin. Ah, ça a ouvert la porte pour ici. Mais est-ce que j'ai besoin de la clé du storage, maintenant? Je veux dire... Non, j'ai pas besoin, apparemment. Non, j'ai pas besoin. Donc du coup, alors, on va continuer. On va aller visiter ce couloir ici qu'on ne connaît point. Petit couloir très sympathique, comme vous pouvez le voir. Le téléphone sonne. Oh putain! Va-t'en. Va te faire foutre. Va te faire... Je peux regarder dans cette porte sans que quelqu'un vienne à la porte et ferme devant moi violemment? Oh, mais... Ça suffit, oui! Eh! Je suis contre tous ces attouchements! J'ai pas donné mon autorisation!
What the fuck is that thing? Oh, il fait noir de ouf. Je vais pas là-bas, moi. J'ai besoin de cette hache. Oh, je dois tourner l'électricité pour avoir l'ascenseur. Les gens, je vais récupérer cette hache à tout instant. Il fait trop noir, j'ai besoin de ma lampe torche dans mon tiroir. Ok. Ben, on va aller récupérer ça dans ton tiroir. Je suppose que... Il a dit dans mon casier, en fait. Hein. Mon casier, c'est dans le storage, peut-être. Ouais, c'est dans le storage. Hey, je peux enfin ouvrir le storage. Hey. Pas folle, la guêpe. Alors, du coup, c'est ici qui est le... Bah... Useful? Ok. Bon, oui, c'est useful. Apparemment, c'est useful. Mon tiroir est où? C'est pas ici, mon tiroir? Pourquoi j'ai eu besoin de ça? Ah! Pour déplacer la machine à... Ici. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai caché ma clé derrière... Pourquoi? 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 Sérieusement, pourquoi? Tout ce problème pour cacher une clé. Genre... Ok, je suis bon. Moi, je suis bon. On sait pas pourquoi on cache des clés comme ça. Mais on le fait quand même. On le fait quand même. Donc on y va. Eh, hey, ça va comme tu veux, toi? Apparemment pas trop. Hein. On va allumer. Voilà, la lampe torche, elle éclaire pas des masses. Hein. C'est trop... Il fait trop sombre pour y aller. T'allumes la lampe torche, il fait toujours aussi sombre, en fait. Ça éclaire que dalle. C'est juste que ça fait un faisceau de lumière devant toi. Bah, dis donc... Le qui a défoncé les portes, là? Ça va pas le faire, hein. Pas ici? Oh, c'est vachement silencieux d'un coup. On n'aime pas trop beaucoup ça, nous. On a vu trop de jeux d'horreur dans notre vie pour savoir qu'il va se passer quelque chose de pas très bien. Salut! On entend des bruits derrière, on a des visions devant, les portes ont été barricadées partout. Quelqu'un s'est amusé à mettre des bougies, je vais dire... à un moment donné, c'est un peu spécial. Linda? What the fuck is that thing? Oh non, Linda! Je dois sortir d'ici! Bah Linda, il s'est fait plaisir. Ok. Ok, je crois que Linda est morte en fait, hein, les gars. Au départ, c'était juste un problème de cuisine mexicaine. Et c'est parti en couille assez rapidement, comme je peux le voir. Hein. Donc du coup, j'ai ma petite manivelle. Et je vais voir si je peux la mettre quelque part pour éventuellement rallumer le courant. Je suppose que c'est pour ici. Allez, ça devrait remettre le courant pour l'ascenseur, je dois sortir d'ici. Très bien, partons d'ici très rapidement. L'ascenseur est juste là. Ting ting. On attend. Ben voilà, tout est bien qui finit bien. Apparemment non. Apparemment non. C'était pas si bien que ça. Un jeu par K. Simpson, Enter to Begin. Ok, apparemment je suis dans une sorte de cellule de psychiatrique ou peut-être juste une cellule de prison dans lequel le mec... Oh, ok, d'accord, il a fermé toutes les portes. Et il semblait être... C'était partout. Ok, je vais à la cantine. Je vais à la cantine, j'ai faim, je veux du bacon, s'il vous plaît. Donnez-moi du bacon. Avec des œufs. L'enquête tout le moment, la moukate. What the fuck? Je voulais juste du bacon, moi. Escape. Ok. Par là? Il y a un truc blanc au fond, est-ce que c'est vraiment la sortie? C'est la cantine, il me dit, mais je suis pas sûr. Ok, c'est grand, la cantine. Ok, il y a des rayonnements explosifs. Pardon. Il a... Apparemment,
Il a pété sur le mur, ensuite il a glissé et il a fait une grosse traînée. Et c'était ça, c'était les restants du Mexicain d'hier soir. Ok. Cool, je suis arrivé dans notre étage de la prison. On m'avait dit que c'était... On m'avait dit que c'est par là que je sortais. Élévateur, Ward 12, traitement. Mais c'est le même chemin pour tous, je sais pas moi. T'as des flèches qui mènent au même endroit. C'est quoi? Ward 12. Bonjour. Hearing anything strange? Si vous entendez quelque chose de bizarre, faites-le vérifier. Punissons les créateurs. Comment ça les créateurs? Créateurs de contenu sur YouTube? C'est ça que tu veux punir? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh, des seringues au sol. Alors, ces labrates sont très difficiles à frapper. Leur agression devient très difficile à contrôler. Ils ont pris plusieurs coups. Ça a pris plusieurs coups pour que le dernier reste docile. Ça pourrait être pire de toute façon. Je dois gérer encore le sujet 11. Oh, il veut frapper des gens. Ok. Donc, tant que c'est pas moi qui frappe, ça me va. Hein. Je suis pas trop d'accord avec ça. Moi. Ça me donne le tournis, mais bon, c'est pas grave. Ah, le sujet 11. C'est un lunatique total. Et c'est très difficile de forcer le traitement sur lui. Et il dessine aussi ses dessins bizarres. Il clame qu'il est un monstre qui est en train de prendre possession de lui. Et c'est sûrement un truc avec la médication, avec le médicament qu'on est en train de lui donner. Bon, on s'en fout en fait. C'est bon? La plupart des sujets ont déployé des bons résultats avec la nouvelle substance. Le truc le plus intéressant était que les sujets devenaient vachement volatiles et très agressifs. Donc attention, prenez garde, je sais pas quoi, blablabla. Ok, on fait attention. L'ombre vit, Shadow Live. Ah bah il est en live lui. Bah il a la chance, hein. Moi ça marchait pas tout à l'heure. Et si c'est écrit Storage? Wow. Damn boy! Damn boy! Je prends la grosse clé! La clé gigantesque! Je m'en vais d'ici maintenant! Je me tire! Wow! Stop that! Stop that! C'est un peu violent quand même comme jumpscare là, on est d'accord? Les sons. Je sais pas pour vous si le son est assez fort, mais pour moi il est giga! Je suis en train de crier tellement c'est fort! Les vieux jumpscares qui font quand même peur. Mais oui. Mais c'est ça, des fois c'est rigolo, t'as un jeu, il est moche comme tout, et il arrive à te faire donner plus d'ambiance qu'un autre jeu qui est mieux fait. C'est dingue, hein. Ok, d'accord, y'a rien ici. Il me dit ici... Stop that, please. Don't jumpscare me anymore. C'est beaucoup trop fort, monsieur! Donne-moi le marteau! Apparemment, il veut pas. Il veut pas me donner le marteau. Oh! Gâteau, mon amoukette! Putain! C'était un peu violent quand même! Voilà! Ça fait un peu penser à Granny sur les bords. Il y a une croix et du sang. Ok, très bien! On leur dira merci! Vous savez que je comprends rien à ce qu'ils racontent en fait, les gens dans mon casque là. Ils chuchotent des choses, mais je sais pas ce qu'ils disent. Hein. Ok, alors la voiture de pont de compte de. Ah, l'ambulance a pénétré dans l'enceinte de l'hôpital de cette façon.
Notre patient... alors, la réception des patients ralentit. En ce qui... C'est un gros problème parce que c'est sûrement un résultat direct en regard des expérimentations. Peut-être qu'on a besoin de revoir notre press release. Nightclub, yeah! Trop bien, on va aller en boîte de nuit! Un destin pire que l'enfer. Ah, j'ai besoin d'une clé. Il y a une arme dehors. Attends, il y a quelque chose là. Des traces de sang. Attends, c'est moi ou le camion de pompier ne fait confiance à personne? Pourquoi j'arrête pas à dire pompier, mais c'est une ambulance, hein, mais c'est pas grave. Je pense que je suis un patient et je dois être un peu taré. Et je suis en train de m'échapper. C'est ça qui arrive. J'ai un pistolet, les gars. C'est parti, les amis. Une grave erreur de jugement a coûté au sujet 11. Attends, what's to cost? Je sais pas ce que ça veut dire. Les rumeurs persistent à que l'esprit du sujet 11 reste maudite pour l'éternité. Wow! Eh ben! Ce jeu est plutôt joli en fait, hein. Pas ouvrir cette porte. Maintenant vous comprenez mieux en fait les gens. Quand vous subissez on va dire plusieurs jeux d'affilée qui sont dégueulasses et après vous arrivez sur un jeu qui est un peu plus joli, tu fais waouh. Bouh, c'est l'Halloween. Vous êtes invité à faire partie de la fête la nuit la plus effrayante de l'année au deuxième étage. Soyez sûr de mettre vos masques les plus effrayants pour avoir un bon moment. Appartement 6, deuxième étage, Jod. Oui, parce que quand tu vois floor 3, c'est deuxième étage. Hein. Et j'ai plein de cassettes et tout. Hein. J'ai des photos. Oh, faudra que je fasse attention à l'ouverture automatique des portes. Hein. Ça peut faire mal. Alors, une clé de secours, j'en ai caché une dans mon appartement quelque part dans le couloir, au cas où j'en aurais besoin pour toi. Je sais que les portes ont des problèmes récemment. Fais attention par contre, tu devras vraiment bien regarder ton voisin. Attends, voisin, en gros, tu m'invites chez toi et t'es pas là? You. Ok, une marmite ici. J'ai une lampe torche. Je n'ai pas besoin de ça maintenant. Mais tu sais quoi, même si tu n'as pas besoin maintenant, il faudrait peut-être la récupérer au cas où. On ne sait jamais, le courant peut couper à tout moment. Je n'ai pas besoin de partir maintenant, si. Oh mon dieu, mais attendez. Oh merde, c'est littéralement le couloir de pété en fait. J'avais pas remarqué. C'est une représentation quasi parfaite de la maison dans Pity. Quasi parfaite, hein, parce que du coup le salon est ici, il n'y avait pas de salon à l'époque. Aou. Parce que la salle de bain était là à la base. Bon ben... Je vais devoir... tout regarder. Parce que c'est toujours comme ça dans ce genre de jeu. C'est que les clés, les objets, etc. peuvent être cachés, genre juste partout. Fuck! Courant coupé! La flashlight, elle était où? Elle était là, non? Elle était là. Ok, tout va bien. Restaure l'électricité, d'accord. Je dois remettre le courant. Parce que... Ah, oh. Ah, je peux sortir? Hey! Je peux sortir, en fait. C'est bien, ça. Je peux pas ouvrir cette porte. Je peux pas... Ah, oh, on dirait qu'elle est encore bloquée. Je devrais l'ouvrir avec la plus de force. Ah! C'est bon, le disjoncteur est juste ici, les amis. Voilà, tout va bien. La cassette, seuls les anciens peuvent s'en souvenir. J'avoue que c'est, ça reste un peu mystérieux encore, tout ça. Alors, 31 octobre, dimanche. 4 blessés et 3 morts dans un accident.
La nuit dernière a été témoin d'une scène qui a clamé que... qui ont déclaré avoir vu une créature sanglante sur les quatre pattes, juste avant le crash. Un raton laveur a volé ma citrouille, a dit un homme un local. Ok. Ok, je peux retourner à l'appartement maintenant, donc tout va bien apparemment. Je veux dire, j'ai remis le courant, qu'est-ce qui pourrait aller mal? Sérieusement. Ok, je suis enfermé dehors maintenant, c'est génial. On aime ça? Ok, on adore. Toutes les portes sont fermées. Bro, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis enfermé? Le courant est remis, y a pas de souci. Du coup, je dois faire quoi? Je dois revenir en arrière et faire plusieurs fois les mêmes choses? Ah, j'ai pas vu cette porte-là, si? Bien sûr que si. Should open with a bit of force. Je mets de la force! J'ai mis beaucoup de force quand même, là. Hein. Sous le tapis. J'avoue. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Il y avait une clé sous le tapis! C'est tellement logique en plus. Damn! Ok, je suis dans mon appartement qui ressemble comme deux gouttes à l'appartement de mon voisin, du coup. Je suis parti. Personne ne me croyait lorsque... ne croyait ce que j'avais vu. Mais ces choses, elles n'arrêtent pas de rôder dans les appartements depuis quelques jours. Après, la nuit dernière, je suis resté ici. Les gens commençaient à voir que j'avais raison. Enfin, commencerait à voir que j'avais raison de toute façon. Si vous trouvez ceci, souvenez-vous qu'ils ne peuvent rien entendre. Le meilleur moyen, c'est de vous cacher si jamais vous êtes à côté d'un. À côté d'un quoi? Pour une fois que je suis utile. Tu as été très utile. Retourne tous les appartements. Ok. On va retourner à l'appartement en question. Et il est juste là. Le jeu me dit, va enquêter sur ce que tu as vu. Genre, à quel moment tu enquêtes sur ça, toi? Je vois un mec à quatre pattes avec dans une tasse d'une zone marre de sang, je vais pas enquêter, hein. Je rentre chez moi, j'appelle les pompiers. Non, ça craint du boudin, là, votre histoire. Ça me plaît pas du tout, moi. Moi, je vous le dis tout de suite, hein. C'est pas ouf, hein. En plus, le pire, c'est que le message disait... Parce que j'ai mal traduit tout à l'heure, le message disait que la clé était cachée dans le couloir. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai traduit, mais c'était pas ça, hein. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plusieurs fins, du coup? J'ai eu un peu peur. Mais attends, on va juste voir, en fait, ce qui va se passer. On va juste voir ce qui va se passer si, on, par exemple, on confronte la bestiole. Parce que là, on n'a rien vu, tu vois. C'est horrible. Je charge vraiment la bestiole, hein. Ouh. Ce cul, par contre... Ah, il fonce droit sur moi. Okay, bye.